Bonsoir, mesdames, bonsoir, messieurs. Tout le plaisir est pour moi de vous présenter ce journal du samedi 30 avril 2022. Tout d'abord, voici les titres. Les Burundais en exil et même ceux qui ont pris les armes sont interpellés par le président à choisir la voie des urnes pour conquérir le pouvoir. Le président de la République du Burundi indique qu'il n'y a aucune raison pour que ces enfants du pays restent en exil. L'augmentation du prix du carburant n'a pas permis qu'il soit disponible, une situation qui révolte les transporteurs et les chauffeurs de bus en mairie de Bujumbura. Vous les suivrez à la fin de ce journal. Voilà pour le sommaire. Rebonsoir. Le président de la République du Burundi indique qu'il n'y a aucune raison pour que certains Burundais restent en exil. Lors de la prière organisée tous les jeudis, dernier jeudi du mois, par le parti au pouvoir, le président Évariste Ndayishimiye appelle même ceux qui ont pris les armes à les déposer et à choisir la voie des urnes pour conquérir le pouvoir. Suivez. Tugomba Uburundi ibintu bihinduke kibe igihugu umurundi wese yumva ko yiyumvamo. Nous voulons un pays où tout le monde se sent heureux. C'est pourquoi je demande souvent aux réfugiés de me dire ce qui leur empêche de regagner leur pays natal. La plupart veulent que le régime change pour qu'ils rentrent et dirigent aussi le pays. Avez-vous vu le communiqué récent de Red Tabara? Mais le pouvoir est ouvert à tout le monde. Bientôt, en 2025, nous aurons les élections législatives qu'ils viennent se faire élire. En 2027, il y aura aussi les présidentielles qu'ils se présentent aux élections. J'estime qu'ils veulent le pouvoir. Personne ne les en a empêchés. Pourquoi alors aller se battre? C'est vraiment lâche. Vous savez, moi, lors des négociations, certains m'ont demandé pourquoi je n'ai pas négocié les postes. Comme ils venaient d'accepter la démocratie, je leur ai répondu que c'est la population qui va déterminer les dirigeants. C'est moi qui dirigeais ces négociations de notre camp. Le pouvoir est donné par Dieu et par la population. Les officiers de police judiciaire ne doivent pas traiter les dossiers d'affaires civiles et doivent transmettre tous les dossiers qu'ils traitent au niveau des parquets. C'est la réitération du ministre en charge de la sécurité publique aux nouveaux officiers de police récemment nommés par décret présidentiel. Gervais Ndirakobucha interpelle aussi la police judiciaire à diminuer les arrestations au cours des vendredis. Suivez-le. J'apprécie que les gens ne sont plus arrêtés le vendredi. Le nombre est moins élevé. Les responsables de la police judiciaire, vous devez travailler à ce que cette mauvaise habitude d'incarcérer les personnes en fin de semaine soit éradiquée. Ceux qui sont responsables de l'établissement des dossiers, assurez-vous que les OPJ ne se saisissent des dossiers civils. Que cherche-t-il dans ces dossiers civils? Commencez à sanctionner ceux qui traitent les dossiers civils. La loi est claire. Je le dis toujours et je le redis ici. Les OPJ doivent être sensibilisés et comprendre qu'un dossier ouvert à la police judiciaire doit être clôturé au niveau du parquet de justice. Aucune police au monde entier ne clôture un dossier par un classement sans suite. Aucune. Cela est du ressort et de la compétence des instances judiciaires. Transmettez toujours les dossiers que vous traitez au niveau des parquets. Page justice à présent. L'association Ntabariza, qui milite pour la défense des droits des prisonniers, salue la mesure de libération de 200 détenus à la prison de Mpimba. Réagissant sur la libération de ces anciens détenus ce vendredi,
Jean-Marie Chimilimana, représentant légal de cette association, estime que de telles mesures pourraient aider à désengorger les prisons. Suivez ce reportage de Jean de Dieu Ilakote. Cette réaction de l'Association de défense des droits des prisonniers Nabariza tombe après la libération conditionnelle de 226 détenus, désormais anciens détenus à la prison centrale de Mimba, ce vendredi. Son représentant légal salue cette mesure et encourage le ministre de la Justice. C'est un sentiment de satisfaction. Comprenez bien que la ministre de la Justice pose de bonnes bases compte tenu du temps qu'elle vient de passer à la tête de son ministère. Tôt ou tard, la justice voulue par les Burundais et souhaitée par le numéro 1 Burundais sera effective. L'association Nabariza l'encourage. En outre, il appelle les bénéficiaires de cette libération conditionnelle à en découdre avec les délits ayant motivé leurs emprisonnements. Premièrement, nous lançons l'appel aux libérés, qu'ils mettent à profit les conseils prodigués par l'assistant des ministres, qu'ils s'attellent aux travaux de développement du moment que le président de la République a dédié cette année à l'agriculture. Qu'ils abandonnent les pertes de temps et surtout qu'ils évitent les délits ayant causé leur incarcération. Pour ce militant pour la défense des droits des prisonniers, cette mesure contribuerait au désengorgement des prisons. Il s'appuie sur les efforts consentis dans ce domaine. Franchement, les prisons font face au surnombre de détenus. Par exemple, dans cette prison de Mimba, le nombre de détenus dépasse le nombre prévu, une situation qui prévaut au niveau national. Cependant, nous espérons que, compte tenu des efforts consentis dans son domaine par le ministère de la Justice, le nombre prévu pour les prisons puisse devenir effectif dans un temps proche. Cette mesure de libération conditionnelle concerne 574 détenus au niveau national, a déclaré l'assistant du ministre de la Justice burundaise. Par l'éducation à présent, l'insuffisance d'auditoire et le manque d'opportunités pour les enseignants de participer aux états généraux sont quelques-uns des défis empêchant les universités du Burundi d'être compétitif au niveau mondial. Cela a été dit par Sanctus Niragira, recteur de l'Université du Burundi, lors de l'ouverture de l'année académique 2021-2022 en mairie de Bujumbura ce jeudi. Suivez-le. Actuellement, au niveau mondial, on est dans une compétition très importante entre les universités, laquelle celles qui occupent la première place sont connues et appréciées par les étudiants. Ainsi, on les considère lors des recrutements. Quant à nous, au Burundi, nous voulons prendre la première place comme avant. En revanche, cela est impossible car nous faisons face à multiples problèmes, notamment le manque des auditoires, les difficultés dans l'accès à l'Internet, ainsi que très peu d'occasions qui se présentent pour nos enseignants pour participer dans des conférences internationales. Je vous l'avais annoncé dans les titres, certains transporteurs de bus en mairie de Bujumbura réclament la disponibilité du carburant pour que le problème de transport soit résolu. C'est au moment où les prix de l'essence et du mazout viennent d'être augmentés sans aucune incidence sur leur disponibilité. Suivez. Le problème qui existe toujours, c'est qu'on a aussi le prix du carburant qui reste toujours introuvable et jusqu'à maintenant, il existe des problèmes de transport. On ne sait pas si le carburant existe ou pas. Cette décision ne nous a pas encore aidés parce que jusqu'à maintenant, c'était un grand problème pour trouver du carburant. Normalement, nous travaillons à une perte parce qu'on ne trouve pas du carburant et le prix du bus est toujours le même. Nous demandons, comme ils ont aussi le prix du carburant, il faut revoir aussi le prix du bus. Le
tukironka neza turacyatonda imirongo ku mastasi yaba cyaduga ariko tukakironka. Si on augmente les prix des choses trouvables, ça ne sera pas un problème. Tu te réveilles très tôt le matin pour aller au travail, à pied. Le soir pour rentrer, la même chose. Comment est-ce qu'on appelle cette fatigue? Nous sommes vraiment fatigués. Quel sera le résultat des élèves? C'est vraiment un grand problème. Eh bien, c'est sur ce reportage sur le problème de transport en mairie de Bujumbura que nous mettons point final à ce journal. Merci de nous avoir suivis et merci d'avoir choisi les programmes de la télévision Isanganiro. Bonne soirée à toutes et à tous. Au revoir.